J'ai commencé la capture de papillons en 1972, où je l'ai exercé en Centrafrique, hein, la République centrafricaine. Et vraiment, ça a commencé par un déclic à côté de là où j'étais. J'ai découvert qu'il y avait un jeune homme qui sortait tout le matin, qui s'absentait et qui ne revenait que le soir. Il m'a dit qu'il va à la capture des papillons. Et de là, il m'a fait savoir que chaque papillon avait sa valeur. Donc, le papillon vaut de 5 francs à plusieurs milliers de francs. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Alors que moi, j'ai l'habitude de voir les papillons par-ci, par-là. Alors là, je veux m'y intéresser. Et puis, il m'a dit, bon, ben voilà, c'est tout simple. Hein. Vous composez une confiture. Et avec cette confiture-là, dès que vous déposerez quelque part, ça vous permettra d'attirer les papillons. Le premier essai n'était pas productif. Mais la suite m'a permis, n'est-ce pas, de capturer un papillon qui avait une valeur de 300 000 francs, un seul papillon. C'est quelqu'un qui est venu, c'est un connaisseur. Moi, parce que chaque papillon a un nom scientifique, et il appartient à une famille, et il a un sexe, et tout, et tout. Bon, moi, ne sachant pas, celui-là m'a dupé. Il est parti vendre ce papillon, il m'a donné 2500 francs, mais il a gagné 300 000 francs. Et quand je l'ai appris par la suite, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas continuer dans ce domaine-là? Alors, sur ce tableau-là, par exemple, quelles sont les espèces de papillons que vous avez utilisées? Ah oui, sur ce tableau, c'est... Enfin, dans notre jargon artistique, on appelle ça une mosaïque des papillons. Alors, c'est le papillon qui est au centre, qui est rouge, il a un nom scientifique qu'on appelle coccinata. Voilà. Et ici, c'est un papillon qu'on appelle étésipé. Là, c'est le bromus. Celui-là? Oui, celui qui est là, blanc, tout blanc. Vous ne dessinez pas d'abord les tableaux avec un crayon, par exemple, avant de coller les papillons? Je dessine d'abord, j'ai des caches, on appelle ça gabarit. Hein, gabarit, je reproduis et je procède au montage. Mm-hmm. Au montage sur ce gabarit-là et puis ça donne ce que vous voyez. D'accord, vous nous faites voir comment vous travaillez. D'accord, merci. J'ai aménagé mon petit coin pour travailler. Je travaille d'abord avec le gabarit. Voilà ça. La reproduction du gabarit. Supposons que je voudrais reproduire une femme avec un panier de fruits sur la tête. Voilà. Ok. Bon, déjà, le gabarit étant déjà fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je procède au montage. Le montage consiste, comme vous voyez devant vous, Wow. Vous avez toutes les couleurs de papillons que vous qui êtes profane, vous ne comprenez rien là-dedans, mais moi, dès que je vois, je sais que à telle aile doit être placée à tel endroit. Chaque couleur a sa place. Le grand secret, c'est quoi? Il faut donner la forme à chaque aile que vous déposez quelque part. Tel que, comme je suis en train de faire, à supposer que ce soit ici. C'est le pied. Si je fais l'autre, ça veut dire que c'est le deuxième pied. Voilà. Voyez-vous? Voilà, la main. Voilà son bébé qui est là, à tel fourchon. Voilà le cou. Voilà la face. Et le front. Ça donne une forme, non? Oui, ça commence à prendre forme. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore là pour donner. Merci, monsieur Raoul. Au revoir. À la prochaine occasion.